Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'une manière brève comment enlever ou bien effacer les notifications que vous recevez sur votre téléphone portable. Par exemple, ça. Vraiment, ce sont un ensemble de notifications quand on ne veut pas les recevoir. Et avant de commencer, je vous invite de me faire une petite j'aime à ma vidéo. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Surtout, activez la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc, pour faire ça, vous devez normalement vous connecter à votre Google Chrome. Comme ça. Et vous cliquez ici. Sur les trois points verticaux. Vous cherchez paramètres. Vous cliquez sur paramètres et vous cliquez après sur paramètres du site, ça, et vous cherchez notification, ça, demandez d'abord. D'accord, donc pour enlever les notifications, par exemple, si je veux enlever la notification d'Orange, je peux le faire, donc juste en cliquant ici. Et vous faites effacer et réinitialiser. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas Orange ici. Donc, je peux enlever tout. Donc, je vais enlever aussi Badoo. Effacer et réinitialiser. Doctissimo aussi, que je ne veux pas. Voilà. Et voilà, ça, c'est un site que je veux pas. Donc, je vais, en grosso modo, je vais enlever tout. Je vais effacer tout. Voilà. Voilà. La même chose pour bloquer. Je vais l'effacer. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé seulement Google comme notification. Maintenant, dorénavant, je ne vais pas recevoir les notifications. Voilà. Donc, je vais faire comme ça toutes les notifications que je vous voyez ici. Voilà. Dorénavant, je ne vais pas recevoir les notifications qui me dérangent. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas de m'écrire un commentaire d'encouragement pour m'encourager à faire d'autres vidéos comme celle-là qui va vous aider dans la vie. Voilà, merci et à la prochaine pour une autre vidéo.